Chers élèves abonnés, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour cet exercice, ce pattern, où je vais utiliser des sextolés et les doubles croches. Bien sûr, vous allez directement dans le descriptif de cette vidéo et il y a un lien pour télécharger gratuitement cette partition où vous pourrez tout comprendre là-dedans. Voilà. Ça ne s'adresse pas forcément aux débutants. Il faut quand même avoir un peu de maîtrise de la lecture et du jeu de batterie pour pouvoir le jouer à des tempos comme ça. Mais ceci dit, si tu es débutant, tu peux quand même essayer de le jouer, mais tu ne pourras pas aller à des vitesses très excessives, mais tu peux quand même le comprendre et placer toutes ces notes. Voilà, je vous montre un petit peu la partition. Voilà ce qui peut s'y passer là-dedans. On va donc avoir ces fameux sextolés, c'est-à-dire groupe de 6 notes. On va fractionner le temps par 6, donc un sixième de temps par note. Et la suite, ce sont des doubles croches, un quart de temps chaque note. Comme instrument, je vais utiliser principalement pour cet exercice du charleston, de la grosse caisse et de la caisse claire. Je vous l'ai précisé ici, ce sigle-là signifie ghost note, autrement dit, note jouée très piano, hein, très faible. Et ici, ce n'est pas un flat, mais un coup de charge, c'est-à-dire qu'on joue d'abord le coup fort, ensuite le coup faible. Bien sûr, n'hésitez pas à aller dans mes playlists techniques, par exemple, pour aller dans les rudiments de tambour et aller voir ce que c'est qu'un coup de charge et le travailler indépendamment, comme aller voir aussi d'autres patterns où j'ai utilisé des ghost notes. Je vais en reparler, bien sûr, dans cette vidéo. Donc c'est parti, vous téléchargez votre partition et on se retrouve derrière la batterie tout de suite. Vous êtes installé confortablement? Bon, donc on va commencer par le numéro 1. Vous avez pour commencer donc ce sextolé et ensuite les doubles croches. Ce qu'il faut comme d'habitude, c'est être capable de le compter avant d'arriver à le jouer. Donc là, il va nous falloir du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà rythmiquement ce qu'il nous faut. Au niveau des doigtés, hein, donc c'est-à-dire les mains que l'on va utiliser sur le sextolé, ce sera droite, gauche, gauche, droite, gauche, gauche, droite. À chaque coup droit, vient s'y greffer une grosse caisse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Dans ce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, je vais donc aller jouer mon premier sextolé jusqu'à la première caisse claire qui est en double croche sur le deuxième temps qui suit. Hein. Vous avez vos 4 temps, le sextolé sur le premier temps, et ensuite sur chaque temps, il y a 4 doubles croches. Voilà. Donc je vais commencer par cette histoire. Droite, gauche, gauche, droite, gauche, gauche, droite. Et oui, je viens jouer ma caisse claire ici avec la main droite. Vous voyez bien qu'il faut faire très attention à les notes entre parenthèses. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des ghost notes. Donc on les joue très très faibles. Ça va me donner ceci. Voilà, donc là on a travaillé le sextolé jusqu'à la première double croche. Je vais maintenant regarder avec vous le deuxième temps, c'est-à-dire les 4 doubles croches, plus la note d'après toujours, hein, du deuxième 1 de notre morceau au troisième 1 de notre morceau. Je vais donc avoir main droite, une caisse claire forte, quitte à utiliser le rimshot. Rimshot, donc olive de la baguette sur la peau et reste de la baguette sur le cercle. Vous pouvez regarder, voilà, mes baguettes témoignent de ce que c'est qu'un rimshot. On est bien éclaté à ce niveau-là. Hein, donc là, on a le cercle et ici, on a l'olive. Voilà, pour la petite parenthèse de jeu. Donc, mon 1, rimshot fort. Le 2, j'ai une ghost note. Je touche à peine la peau de ma caisse claire. Le 3, j'ai un charlet. Le 4, attention, on a un croisé. Donc, j'ai main gauche et pied droit. Voilà, ma main gauche, elle est faible. Elle est toujours en ghost note. Et j'arrive sur un 1, charlet. 1, 2, 3, 4, 1. Je vous joue ça. Maintenant, je vais donc vous jouer le sextolé plus la série des 4 doubles et la première note qui suit.
Maintenant, je vais partir de ce troisième 1 et je vais vous enchaîner les 8 doubles croches qui suivent. Donc, je vais jouer du troisième 1 en passant par le quatrième 1 et m'entraîner à revenir à la première note du début de mon sextolet. Donc, ça va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Donc, voilà ce qui va s'y passer à partir de mon troisième 1. J'ai donc mon charlet. Quand je vais compter 2, je vais avoir ma main gauche avec ma grosse caisse, mes petites caisses claires. Hein, on joue faible. Sur le 3, je vais donc avoir charlet grosse caisse tout seul. Sur le 4, une ghost note à la caisse claire de la main gauche. Sur le 1, je vais redescendre dans ma main droite pour venir en rimshot sur ma caisse claire. En 2, je vais avec une ghost note caisse claire plus une grosse caisse. En 3, j'ai mon charlet tout seul. En 4, ghost note avec ma grosse caisse une fois de plus. Et je reviens au 1 du début. On y va. Voilà, on va pas très vite en besogne quand on travaille cet exercice-là. Pensez à aller vraiment lentement. Maintenant, je vais donc vous jouer progressivement ce numéro 1 en entier, en l'accélérant petit à petit. On est maintenant sur le break du morceau que je vous ai préparé. Là, en l'occurrence, je suis resté sur de la caisse claire, mais vous allez le voir, vous pouvez déplacer après tout ça sur les tomes, il n'y a aucun souci. Mais dans un premier temps, dans une idée de travail et de précision, on va d'abord le travailler uniquement à la caisse claire. On va parler un petit peu du volume de notes. Donc, j'ai mes ghost notes et je vais avoir le coup de charge. Voilà ce que donne un coup de charge au ralenti et ensuite à vitesse réelle. Le compte de mon break est assez simple puisqu'il va donc donner 1 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, j'ai compté un peu plus fort le moment où j'ai mes coups de charge. Au niveau des mains, on va être donc sur 1, un charlet un tout petit peu ouvert avec une grosse caisse, ça c'est ma croche. 1 et main gauche. 1, 2 en faisant droite-gauche. 3, je reviens sur mon charlet. 4, j'ai donc une main gauche sur la caisse claire, puis je commence mon premier coup de charge, donc coup fort, main droite avec un petit coup gauche, droite-gauche en ghost note, je remets un coup de charge sur le 4, hein, vous voyez, avec fort la main droite, petit coup main gauche, je repars sur du droite-gauche, c'est le même cycle, hein. Et ensuite sur le 3, je reviens encore à mon coup de charge, main droite forte, main gauche faible, un coup à gauche, et je vais pouvoir retourner dans ma rythmique. Voilà ce que ça va donner, d'abord à vitesse tranquille et après je vais augmenter.
Voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo. Soyez patient. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas vraiment pour les débutants, mais vous pouvez quand même essayer d'aligner ces notes en allant très lentement, ça marche. Les consignes sont les mêmes. On va lentement, on joue pas la mesure en entier, on fait vraiment par cellule, en comptant à voix haute. Une fois que ça commence à ressembler à quelque chose lorsque vous comptez à voix haute, vous allez enclencher un métronome pour vous régler. Ici, vu qu'on a du sextolé et de la double croche, peut-être que le mieux pour vous serait d'avoir des croches, ok? C'est-à-dire le 1, et du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hein, pour viser le 1 et le 4 pour les sextolés, et on visera le 1 et le 3 pour les doubles croches, voilà, avec ce métronome. Il vous aidera à le monter progressivement. Je n'ai plus qu'à vous dire, comme d'habitude, hein, à vos baguettes, et à très bientôt. Salut tout le monde.